Bonjour à tous, c'est Mario Hero et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de New Super Mario Bros. Sortie sur la DS, édité, conçu par Nintendo en 2006, blablabla. Allez, on y va. On continue notre périple. Donc nous en étions arrivés à la dernière vidéo au monde 5 déjà. Mais on va pas s'attaquer à ce monde tout de suite, on va d'abord passer par le monde 4. Et pour ce faire, on doit d'abord retourner au niveau 2. Donc c'est parti. Et on doit aller au château. On doit aller donc jusqu'au bout. Voilà, c'est parti. Alors donc, pour pouvoir aller trouver le fameux secret, entre guillemets, pour pouvoir accéder au niveau 4, donc c'est de reparcourir ce niveau, mais cette fois-ci avec une petite difficulté supplémentaire, si on peut dire, du fait que en fait il faudra vaincre le boss mais en étant petit en fait tout simplement en étant mini Mario, voilà, donc avec un petit champignon. Et en fait, ce petit champignon, on n'a pas besoin spécialement de l'avoir stocké dans notre inventaire, puisqu'il est disponible dans ce niveau même. On va bientôt arriver. Alors, ici, la grosse bouboule. On va essayer de ne pas la toucher. De toute façon, on s'en fout. Voilà, on passe tranquille. Et voilà, le mini champi est là. On le prend. On va aussi choper la dernière pièce étoile, c'est le petit bonus. Alors ici, faut bien se rappeler que un contact avec un ennemi et c'est la mort assurée. C'est la mort assurée. Donc, nous voici déjà au boss. Et évidemment, en étant de cette taille-là, ça va être très compliqué. Et pour réussir à le tuer, il faut faire des attaques rodéo. Le saut, ça ne suffit pas. Alors, on esquive son truc. Ah mince, je suis passé à côté. On esquive. Voilà. On attend qu'il replonge. Allez, montre-toi. Voilà. Et de deux. Plus qu'un coup. Et c'est parfait. Magnifique. Et voilà, la fin du niveau, et donc, vous allez constater que, en principe, on va vers le niveau 3. Eh ben non! En empruntant ce petit passage réservé à Mini Mario, nous voici donc au monde 4. On nous propose de sauvegarder, ce qu'on va faire. Et nous voici donc arrivés au monde 4, la forêt. Alors, ça va être un niveau peut-être compliqué, j'en sais rien. Enfin, on verra bien. Allez, c'est parti. Le niveau 4-1. Alors, en étant petit Mario, ça va être très compliqué. Oula, les ennemis sont fourbes. Ils sont très fourbes. Ces drôles d'araignées, là. Ouais, ils sont fourbes. Allez, moi tranquille. Hein. Easy game. Je rebondis sur les ennemis. Ah oui, parce qu'on peut rebondir sur les ennemis et tout. Ça nous tue pas, hein. En fait, ça nous fait que rebondir, en fait, tout simplement. Alors là, on a atteint le checkpoint, ce qui est bien. On va aller peut-être choper la pièce. Voilà, on va attendre que le monstre avance un petit peu. Voilà, c'est parfait. Évidemment, essayer de pas se faire toucher. Voilà. On profite un petit temps, un petit break. Hop, on retourne sur le monstre. Voilà. Pour l'instant, ça va, c'est simple, hein. Enfin, simple. On va essayer quand même d'éviter de toucher la mer violette, hein, parce que en fait c'est du poison, tout simplement. Donc si on la touche, c'est mort assurée. Ah ! Bon bah tant pis. Tant pis. C'est pas grave. Au moins on a eu le checkpoint, c'est ça qui compte. Allez, c'est parti. Un petit champi pour se remettre. Enfin, une fleur de feu plutôt. On se débarrasse des araignées. Comme ça, elles ne nous gênent pas.
Alors on prend une deuxième fleur de feu, comme ça on l'a en réserve. Ah ! Mince. Bah voilà, j'ai touché donc la mer violette. Et donc, comme vous l'avez bien vu, c'est mort instantanée. Allez, on est reparti. Encore une fois. Cette fois, il faut qu'on y arrive. Alors, ici, hop, voilà, on active. Ah, je vais peut-être... Ah non, tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Alors, on va... Non, on va pas s'occuper de la pièce. On se débarrasse de lui. Hop, on se débarrasse de lui aussi. Une deuxième fleur de feu, peut-être? Non. Ça n'a pas envie de m'en donner une deuxième. C'est des radins. Hop, on retourne sur la terre ferme. Ça, c'est bien. Allez, dégagez les araignées. Dégagez. Aïe. Bon, c'est pas grave. Oui. Bon, bah, on s'en est pas mal sorti au niveau... au final, en fait. Oui, on s'est pas mal sorti. On s'en est pas mal du tout sorti. C'est bien. Allez, niveau 4-2, et avec un petit bloc rouge qu'on va avoir directement dès le début du niveau. Alors, qu'est-ce qu'on va choper? Un gros champignon? Ah non, une fleur de feu. Dommage. Allez, hop, on y va. Encore une fois, un niveau de pure plateforme. Ouh, attention à ces plateformes-là. Ouh là, ouh là. Ça, c'est quand on a envie d'aller trop vite. Hop. Ah, d'accord. Quand je me mets d'un côté, ça penche, en fait. Oh, une vie. Waouh. Doucement. Hop. Un petit wall jump pour récupérer la pièce. Le petit checkpoint, ça fait plaisir. Voilà, la deuxième pièce étoile. Celui-là, on s'en débarrasse. On prend aucun risque. On prend aucun risque. Super triple saut. Allez, hop. On se laisse pas avoir. Magnifique. Ça, c'était du talent. Y a pas mieux pour résumer ce que je viens de faire là. C'était vraiment le talent. Mais alors, à 200%. Allez, on passe au niveau 4-3. 4-3, ça m'a l'air d'être un niveau aquatique. Oh oui, ça sent un niveau aquatique. Alors, est-ce que le niveau aquatique sera un auto-scroll? Eh oui. Alors donc, ce genre de niveau, hein, ça veut dire que l'écran défile tout seul et voilà, en fait... Wouh, coucou la petite anguille, là. Gentille anguille, gentille. Bon, en gros, on va essayer de pas se faire bouffer. Ça serait bien. Alors ici... Aïe, d'accord. Allez, il faut récupérer la pièce. Voilà, c'est parfait. Oula, on remonte. L'anguille veut nous dire bonjour. Oh, il y a des petites anguilles d'ailleurs. Ah, je me suis fait toucher. Et j'ai même pas récupéré les 8 pièces rouges. Ça, c'est encore dommage. Allez, un petit champi pour se remettre. Après, c'est le niveau des anguilles ici. C'est incroyable. Hop, une autre pièce étoile. Ça, c'est bien. Ce genre de niveau auto-scroll comme ça, je suis vraiment pas fan, franchement, je suis pas fan du tout. Ah d'accord, ok. Je pensais qu'il fallait rentrer dans le tuyau. Ou alors il fallait, mais j'y suis pas arrivé à temps. Ah d'accord, ok. Ah oui, ben il faut passer par au-dessus, crétin. Faut passer par au-dessus. Ouais. Alors, est-ce que je prends ma fleur de feu dans mon inventaire pour éviter de mourir bêtement? Non.
Non, on va pas l'utiliser, non. On va aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On n'a pas peur. On prend le risque. Enfin, on prend le risque, mais on essaye quand même de jouer sécurité. La fin de niveau? Oui, fin de niveau, je vois. Ça sent la fin de niveau, ça. Ouais, ouais, ouais. Oh, attention, le petit Gomba qui peut nous troller. Voilà, magnifique. Mario clear! Parfait, parfait! Ah, on arrive déjà à la forteresse. Allez, c'est parti! La quatrième forteresse. Ouh, il y a de la lave en dessous. On va essayer de ne pas tomber dedans, hein, ça serait bête. Celui-là, hop, on le fait tomber. Alors ici, attention à ne pas se faire aplatir par le décor, hein, sinon c'est la mort instantanée. Ok, un petit champi pour nous rebooster. Ouh, d'accord, la lave est en train de monter, donc il faut essayer de monter bah, le plus vite possible, hein, sans se faire toucher. Ouh, elle monte vite d'ailleurs. Va pas trop traîner. Je trace. M'en fiche. C'est la survie. On prend des risques. Oh la lave est là. Vite. Allez, s'il te plaît. Fais pas trop traîner le décor. Ah, j'ai le checkpoint. Je me suis fait toucher. C'est parfait. Enfin, non. C'est pas parfait, mais... Allez, on continue. Tant pis pour la pièce étoile. La survie avant tout. Tant pis pour les pièces rouges. La survie avant tout. Et ça va. On arrive à la porte du boss. Ah, alors là, il faudra se méfier. Parce que je n'ai pas la fleur de feu. Donc voilà comment on est supposé battre le boss, hein. Comment Nintendo nous montre... Voilà, tu dois faire comme ça pour battre le boss. Et pas avec une fleur de feu, hein. Poum! Voilà, ça c'était le boss dans sa version... normale, si on peut dire. Sans power-up. Comme la fleur de feu. Eh ben voilà, on a fini donc la forteresse. On va sauvegarder. Et on continue l'aventure. Niveau 4-4. C'est parti. Let's go. Alors ici, il n'y a rien. On laisse tomber le Goomba, voilà. Oh oui, c'est vrai que celui-là, quand on lui saute dessus, il n'est pas content. Alors, toi, tu dégages. Oui. Alors, les 8 pièces rouges, on s'en bat les steaks. Ah, la pièce étoile. Est-ce que je la tente ou pas? Ouais. Allez, on va la tenter. Elle m'a l'air facile. Voilà, hop, on la prend et on repart. Magnifique. Allez, hop, une petite carapace bleue. Ça, c'est bien. Hop. Allez, j'arrive pas à monter. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce bloc-là? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bah, il n'y a rien. Bon, tant pis. Allez, on continue. Bim! Je te suis, carapace rouge! Ah non, elle s'est sacrifiée. Allez, hop. Oula, on va d'abord... Allez, un petit troll. 2, 3, 4, 5, 6, 7... Et on y va pour l'arrivée! Thanks, so nice! Et voilà. Un niveau vite fait, bien fait. On passe à la maison fantôme. Ah, ça c'est bien. On va s'amuser. Est-ce qu'on va se perdre ou pas? Alors, une petite fleur de feu. Je la garde en réserve.
Pour l'instant, ça n'a pas l'air très compliqué. Voilà, on va aller vers cette porte. Alors là, petite particularité. Quelqu'un qui a déjà joué à ce jeu depuis pas mal de temps, je savais qu'il y avait un petit secret. C'est qu'il fallait rester sur l'un des blocs pour qu'il nous monte, et comme ça on pouvait choper une pièce étoile. Alors ici, attention à ces bouts. À ces bouts là qui se gonflent quand on leur fait face. Mais ils se dégonflent dès qu'on a le dos tourné. Ici, hop. Voilà. Alors ici. Ah, un autre interrupteur. Ça m'a l'air d'être par là. Ah, une autre pièce étoile, ça c'est bien. Alors il faut, à mon avis, retourner. Ouais, voilà, il y avait... Oula. J'ai pas vu les blocs qui étaient là. Hop. On entre dans le tuyau. Alors celui-là, on va essayer de pas lui chercher querelle. D'accord. Ben on va aller... Attends, viens. Voilà, comme ça. Voilà. On va aller ici. Ah, d'accord. On est retourné là. On est retourné là où on était. D'accord. Bon, ben on recommence. Donc à mon avis, il doit y avoir un truc encore plus en hauteur, plus important. Ouais, il doit y avoir un truc plus important par ici, je le sens bien. Ah voilà, une autre porte ici. Ça m'a l'air d'être bon ça. Ouais, ça m'a l'air d'être très bon même. Magnifique! On est sorti! On s'en est sorti indemne. Allez, le niveau suivant vient de se débloquer. Niveau 4-5, avec un petit bloc rouge en prime. On va voir quel objet va nous être donné. Encore une fleur de feu. Bon ben, elle reste stockée dans mon inventaire, hein, puisque je l'ai déjà. Et un petit niveau souterrain. Allez, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Ah, je crois qu'il va falloir qu'on se serve des bobombes pour passer. Ouais, c'est ça. Il va falloir qu'on se serve des bobombes pour passer certains obstacles. Ouais. Alors, ceux-là, on fait pas attention. Ici, on va peut-être monter. Voilà, ça m'a l'air bien. Et on a déjà le checkpoint. Oh, bah dis donc, ça va vite, hein. Ah, d'accord. Alors ici, ça m'a l'air d'être... Voilà, on va attendre que la bombe explose. Comme ça, on récupère la pièce. Ça, c'est bien. Alors ici, hop. Ah, ici, il y a une autre pièce. Ouais, j'ai l'impression qu'il va falloir activer cette bombe qui est en hauteur. On va attendre qu'elle explose. Voilà, c'est parfait. Magnifique. Alors, voilà. On va passer. Voilà, vite fait, bien fait. Ah ouais, d'accord. Je pense que j'ai eu un gros coup de bol parce que je pensais être touché. Donc, ouais, j'ai eu un coup de bol, je pense. Alors, ici, il y a un tuyau qui m'a l'air d'être à débloquer. Voilà, on rentre dedans. Ah, là, de nouveau, il va falloir se servir des bombes. Un peu de... Voilà. Je pense qu'ici ça devrait le faire. Voilà, c'est parfait. Hop, la dernière pièce étoile est en notre possession. Alors maintenant, il faut essayer de trouver un moyen de monter. Ah bah voilà. Aussitôt dit, aussitôt fait. Magnifique. Et nous voici vers la fin du niveau.
Belle performance pour l'instant. Sacrée performance. Allez, on passe au niveau 4-6. On a déjà 30 vies. Eh ben, dis donc. Allez. Ah, la marée violette fait son grand retour. L'animal aussi. Ah ouais, d'accord, ok. Il va falloir aller sur les plateformes quand elles y sont parce que le monstre y plonge. Donc il faut pas tout le temps rester sur lui en fait. Bon alors ouais, l'anneau rouge on laisse tomber parce que je suis déjà bien complet au niveau power-up. On attend que le monstre se relève. Voilà, parfait. Vaut mieux rester sur sa tête, hein, c'est beaucoup plus prudent. Voilà, comme ça, il nous prévient. Alors peut-être ici. Voilà, des pièces à gogo. Une petite vie supplémentaire. Alors ici, on va de nouveau devoir passer par ici. Pendant que le monstre plonge. Voilà. Dépêche-toi, j'ai un niveau à finir. Ah, le petit checkpoint, c'est bien ça. Alors, on va déclencher l'interrupteur maintenant. Ça m'a l'air bien. Ah, une petite étoile. Par hasard. Sans que je le veuille. Allez, ben, autant s'en servir. Et voilà, ça c'est bien. Ah, je suis pas arrivé. À mon avis, ça devait être un bonus stage ou quelque chose comme ça. Ouais, je pense bien que ça devait être un niveau bonus. On pouvait récolter la dernière pièce étoile parce que je ne l'ai pas. Allez hop. Ici, est-ce qu'on peut monter sur le tuyau? Non, on peut pas rentrer dedans. Alors, comment on fait pour atteindre le haut du drapeau? Bon, d'accord. On va pas chercher longtemps parce que il nous restait pas beaucoup de temps au compteur. Et voilà. Nous arrivons au château. Quatrième château, c'est parti. Let's go. Oh, super. Des balançoires. En gros, ça passe ou ça casse ici. Mauvais timing et hop, c'est foutu. Tu tombes dans la lave, tu crèves. Alors ici, on court. Des petits wall jump. Voilà, c'est bien. Alors ici, j'ai vu une pièce étoile en bas, donc je vais attendre que le gros twomp. Ouais, il s'appelle comme ça. Le gros twomp libère le passage. Voilà. Comme ça, je peux aller récupérer la pièce. Et j'attends qu'il remonte pour pouvoir m'extraire de ce trou. Alors ici, on va attendre qu'il se baisse. Voilà, comme ça, on saute. Ici aussi. Là aussi, on va attendre qu'il se remette en place. Oula, oula, oula. Celui-là, on se débarrasse. Et un petit checkpoint. Une vie! Bon bah elle a cramé. Je ne t'oublierai jamais, petite vie. Alors, comment attraper cette pièce? Ok, on s'est brûlé le cul. On a fait un petit plongeon dans la lave. 10 sur 10, monsieur. Allez, c'est reparti. Hop, on reprend une fleur de feu au passage. Alors, comment on peut la choper, cette pièce? Ah, ok, comme ça. Voilà, c'était... Il suffisait de demander. Alors, celui-là, on s'en débarrasse. Attention aux boules de feu. J'adore, je dis attention aux boules de feu et je me la prends quand même en pleine poire. Hein. Faut le faire. Et c'est parti pour le boss. What the f...
un Goomba géant. Ah d'accord, à mon avis il faut se servir de ces plateformes. Voilà, pour l'écraser. Allez, reviens par ici mon ami. Paf! Oula, il devient de plus en plus colérique, notre ami. Et voilà! Voilà! C'est qui le patron? Et voilà, nous arrivons de nouveau au monde 5. Donc, on a fait un petit détour par le monde 4. Et voilà, on va s'arrêter là pour l'instant, parce que bon, on va continuer cette aventure ensemble. Donc, je vous invite à l'aimer, donc à mettre un j'aime si ça vous a plu, à la commenter, à la partager, etc., etc. Vous connaissez la chanson. On se retrouve donc pour la suite de cet épisode Retro Gaming sur New Super Mario Bros. DS. Je vous dis à la prochaine, et sur ce, salut !